Bonjour Jésus-Christ, souverain Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. Je viens juste de l'église. On vient de l'église. On vient d'arriver. Et c'est un bon message. J'allais rater ça hein, parce que je voulais aller dans une autre église. Vous voyez comment j'allais rater ça? Le message était sur le découragement, une arme du diable, le découragement. Donc, peut-être un jour, je vais prêcher ça sur le découragement, parce que moi aussi, je dois chercher la face de Dieu et prêcher sur ça. Et la vidéo, je vais voir si je peux partager là. Bon, comme je ne suis pas trop sur Facebook, là, on verra. Actuellement, maintenant, je vais parler de l'église. Ok? Ce que j'ai écrit. Quand il parlait du découragement, c'est que moi, j'écrivais. J'ai écrit, on va à l'église pour louer et adorer Dieu. Et pas pour les beaux yeux de quelqu'un. On va à l'église pour Christ. Pas pour telle ou telle personne. Il faut être là pour l'église. Il faut être là pour l'église. Il faut être là pour Christ. Pour Dieu. Il faut être là pour l'église. Il faut être là pour Christ. Il faut être là pour Dieu. Trois choses. Il faut être là pour l'église. Il faut être là pour l'église. Pour Dieu. Pour Christ. Oui. Il faut être là pour l'église, pour Dieu et pas pour l'homme. Si tu es ici, si je dis ici, sur Facebook, sur ma page, si tu es là pour moi, l'être humain n'est pas parfait. Parce que si tu viens à cause de moi, quand je vais faire les erreurs là, tu vas partir. Il ne faut pas être ici là pour moi. Il faut être là pour Christ, pour sa parole, pour Dieu. C'est ça. Il ne faut pas être là pour l'homme. Sur Facebook, ceux qui sont sur ma page Facebook, là. Je ne sais pas si je vais partager ça, on verra. Ceux qui sont sur ma page Facebook, il ne faut pas être là pour Chantal. Il faut être là pour Christ. Il faut être là pour Dieu. Il faut être là pour la gloire. L'être humain, on n'est pas parfait. On fait des erreurs. Quand tu vas pour l'homme, là. Quand il y a des erreurs là, tu vas t'énerver, tu vas quitter, tu vas bouder, tu vas... C'est ça. Il ne faut pas être là pour l'homme. Il faut être là pour Dieu. Et quand tu es là pour Dieu, tu vas bien entendre sa parole. Dieu va te bénir au fait si tu es là pour Dieu. Vous savez, quand je suis dans la vie de quelqu'un, parce que aujourd'hui, actuellement, c'est à cause de Dieu qu'il y a des gens. C'est Dieu qui a fait les connexions. Donc, quand je fais mes dons là, je ne fais pas mes dons pour l'homme. Quand je donne ma dîme, je ne donne pas pour l'homme. Hein. Je donne pour Dieu. Je me rappelle, il y a quelqu'un qui me disait, oui, ce faux pasteur qui a violé, je ne sais pas quoi là, c'est, tu as fait ta dîme, vous voyez un peu là. Moi, quand je donne ma dîme là, je ne donne pas pour l'homme. Hein. Ne donnez pas vos dîmes à cause des beaux yeux d'un pasteur. Vous donnez pour l'église, vous donnez pour l'œuvre de Dieu. Vous donnez pour Dieu, pour Christ. Vous ne donnez pas à cause d'un un pasteur. Il y a des gens, ils sont là, oui, je dois... Tu peux faire un don pour le pasteur. Si tu aimes, ben il faut séparer la dîme. La dîme, c'est l'église. C'est un peu ça. Donc, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ, c'est bel et bien Seigneur. C'est pour cela que j'ai fait un don là. Il y a eu des problèmes sur ce don là. J'ai essayé d'expliquer à la personne, ce n'est pas pour toi. Et la personne n'écoutait pas. Ce don que j'ai fait, c'est pour l'église. C'est pour Dieu, en fait. C'est pas pour toi. Si je voulais te faire des dons,
Je connais ton nom. Je te connais. C'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour un homme. Il y a des gens là. Non. Donc c'est ça, au fait. Quand vous faites des choses là, faites pour Dieu. Donc quand vous faites pour Dieu là, quand ils vont vous insulter ou bien s'il y a des offenses, s'il y a une mauvaise... ça ne va pas rentrer parce que vous êtes là pour Dieu. Vous n'êtes pas là pour l'homme. C'est ça, au fait. Il faut être là pour l'homme. Lorsque le pasteur était en train de prêcher, là, je me suis dit, si j'étais venu pour l'homme, là, aujourd'hui, là, j'allais rater. On est là pour Christ. On n'est pas là pour... Non, on est là pour l'Église. Et c'est Dieu qui nous a conduits là. Parce que quand on est arrivé ici au Québec, on a prié. On dit, Seigneur, montre-nous une bonne église. Donc, on va pour l'église, on va pour Christ, on va pour la gloire de Dieu. On ne va pas pour l'homme. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça. Quand vous faites vos dons là, c'est pour Dieu, pas pour l'homme. Jésus-Christ souriant, Jésus-Christ, c'est bel et bien Seigneur. Ceux qui se découragent, oui, même si c'est quelqu'un qui t'a emmené que tu n'aimes pas la tête de la... Va pour Dieu. Si c'est moi, je t'ai emmené. Et puis, tu n'aimes plus ma tête là. Il faut aller pour Dieu, il ne faut pas aller pour moi. C'est ça. Va à l'église pour toi-même, pour Christ, pour la gloire de Dieu. Il ne faut pas aller pour l'homme. C'est ça.